Hello, ladies and gentlemen. Bonjour. Guten Tag. Enfin, on est arrivé en 2022. It's the time now in 2022 for a new video. Now, today, we're gonna make a pipe. That's the first thing. How are we gonna make a pipe? With simply things. So, what you need is number one, essential wood. A nice piece of wood, straight. Hardwood from Fuerteventura, just to tell you. Number two, we need normally a long flat scotch that we need. After that, to string to make the hole through it. That's another way. That's where we're gonna work after that with the specialty machines we got. Like, of course, we have some other tools. Also the Dremel, the Dremel that you got here, 4000, to work on the shaft, pour travailler donc la pipe, donc les alentours de la pipe et tout, on va travailler avec la Dremel. Donc l'intérieur, c'est là, on va donc la travailler, donc d'abord avec une mèche, donc pour faire le tuyau, donc le tuyau par où la fumée va passer. C'est très important. Donc, bien comprendre les choses. Alors, ça c'est deux, trois choses qu'on va faire pendant cette explication de comment faire une pipe à la façon du capitaine Axe. Hein? Make a pipe like Captain Axe. I'm going to explain you that step by step. Like you see now, comme vous voyez maintenant, donc je prends le morceau de bois que je vais introduire dans la petite presse Dremel que j'ai ici, que je peux mettre donc à ma guise. C'est important que ce soit bien mis, bien fort, on la presse. Pour vous dire que c'est les appareils qu'on trouve chez Dremel, hein, qui est pas mal, je veux t'avouer, il est pas mal. C'est pas ce qu'il y a de mieux, mais ça fait le travail, c'est ça qu'il faut le dire. It's not the best in a way, but for small works, it's a perfect little tool that you get by Dremel. You can attach a lot of things, pieces of wood. Vous pouvez attacher des morceaux de bois comme vous voulez. On peut faire plein de choses avec. C'est très un petit outil pratique, disons. Pour, je crois, la somme d'une trentaine d'euros, qui n'est pas trop cher. Parce que d'habitude, ça en métal, ils sont beaucoup plus chers. Ouais, ils sont plus encombrants, plus lourds. Et si c'est pratique, on peut le prendre partout avec et on peut faire des petits travaux, disons. Hein? Non, alors ça c'est la foreuse, hein, pour faire donc le trou à travers le morceau de bois. Donc c'est un moment de concentration, vous voyez, excessivement important. It's a very important moment to get straight to the wood, not to make holes on it, because a pipe has normally only one hole, not 25,000. Yes, just a little joke in the part. So, quand vous allez dans le trou, regardez que de temps en temps, vous sortez et rentrez la mèche. You're going sometimes in and out to get the wood out, pour sortir le bois qui sort, pour ne pas que se mette à faire une poussée devant, qui premièrement va chauffer la mèche, hein, et chauffer le bois. Donc sortez là de temps en temps, c'est très important, hein, n'oubliez pas. Hein. Ce que je vais vous expliquer, c'est que donc ce qui est plus facile à faire, c'est en place de mettre, commencer directement à faire un trou avec ça. Si vous avez un morceau de bois long comme ça, la chance que vous n'arrivez pas à aller droit est environ de 80%. Parce que la mèche, si vous faites un petit pas sur le côté, c'est-à-dire que c'est pas une machine qui va droite, donc à ce moment vous bougez un peu d'un quart de millimètre et vous tombez avant la fin. Ce qui veut dire votre votre embout de pipe est foutu. Alors moi, ce que je dis, ce que je préconise, c'est de d'abord faire un trou que vous faites droit, que vous mettez sur votre machine et que vous allez donc directement travailler la bête. Hein, directement, vous allez faire déjà un trou droit. Comme ça, ça veut dire que la mèche qui va dans le bois est automatiquement droite. So what you say that the burr that is going inside, if you take you first start directly with this, you can have that it's not going to be straight, and you're going to cut in place to make the full wood. You're going to have there, and you can throw all the pieces away. So what I preconize is that you first
take the thing and you make first a hole, a straight hole, then on that your big bird can follow the line. So that's giving you, I want to say, an approximative from 60%. C'est un approximatif environ, selon mes calculs très savants d'ailleurs, ça vous fait naturellement environ 60% hein, de réussite. Effectivement. Chers amis, vous n'allez pas le croire, c'est-à-dire que je suis dans un problème excessivement difficile. Disons que, vous voyez les différents trucs avec mon... C'est-à-dire quand on fait qu'une petite mèche, une grande... Comme je vous ai dit, les 60%, c'est véritablement 60%. J'ai eu la fois passée une pipe que j'ai fait, je l'ai fait en une fois. Je me suis dit, miracle, j'ai trouvé le truc. C'est-à-dire que non, on ne l'a jamais trouvé. Il suffit d'un matin où la main, et puis que le bâton n'est pas bien droit et qu'il y a quelque chose dedans, et vous êtes dans une merde. C'est bien dans ce que je me retrouve maintenant. Vous voyez, j'ai déjà fait un... Mais maintenant, le problème, c'est d'arriver à faire les prochains 10 cm, qui sont donc très cruciales. So, to explain, it's not so easy to drill a hole through it. What I was explaining with the first small, it's, that's the way it's going. But it depends from a lot of factors that you're going through an old piece of wood like this. So, what I say is good luck, and we're going to try it again, okay? Here we go. Yabba-dabba-dabba. Oui, donc voici, so here we are, le trou est fait, the hole is made. So, maintenant, ce que je vais faire, c'est que donc avec ça, je vais faire le foyer de la pipe. Donc ça veut dire que nous allons donc travailler, nous allons ici procéder à faire donc le trou, va servir donc pour faire le foyer, donc, et après de travailler le trou ou où en fait... Le museau, il va dedans, hein? Donc maintenant, on est arrivé en fait à la facile, la partie la plus facile. Donc avec ça, bien sûr, je vais employer une mèche cul-de-sac, comme d'habitude, la mèche cul-de-sac, la flemme, donc la extrême flemme. Comme ça, je vais vous la montrer un petit moment. Voilà, extra bur 1.8 flemme que vous trouvez sur Amazon. Hein? N'oubliez pas ça. Hein? Bien, bien. Alors, pour vous expliquer que donc maintenant, je devais donc faire le trou dans le foyer, j'emploie d'abord toujours une mèche que j'emploie dans une machine pour forer donc un trou au milieu. Comme ça, je peux travailler après avec la cul-de-sac, je peux donc travailler tout ce qui est ici autour pour terminer donc le foyer. Hein. Ça, c'est le premier travail que n'oubliez pas, prenez la plus grosse mèche de bois que vous avez, vous voyez, une mèche de bois. Et comme ça, vous pouvez bien faire. Ne prenez pas les... s'il vous plaît, ne faites pas que vous... Ne faites pas trop près du bord parce que ça va brûler. Donc, prenez bien au milieu. Et surtout, faites un foyer assez dur parce qu'on devra encore travailler dedans. C'est très important. Hein? OK? Donc, pour vous dire, voici donc le résultat. Donc, c'est qu'on arrive à créer donc, un arrondissement pour préparer la pipe. Donc, maintenant, vous voyez ici le cylindre. Et aussi le cylinder. Et après, au fond, que j'ai donc fait comme un tout petit trou, parce que on fait pas le truc. Donc ça, en fait, le petit trou, c'est-à-dire que la prise d'air sera en dessous du petit trou. Donc, comme ça, quand vous tirez, le tabac, il chauffe sans brûler, donc hein, il durcit. Donc le bois est dur, mais il ne peut pas passer à travers comme un filtre, petit filtre naturel, disons, dans l'histoire. Hein. Donc je vous explique. C'est pas compliqué, comme je vous dis, avec la foreuse, on fait d'abord, on fait bien le travail autour, on arrondit, et après, avec, comme je vous ai dit, avec la cul-de-sac, on travaille donc l'arrondi, qui est très important à faire, donc, il y a le surround, but it's very important to do with the cul-de-sac, hein? With the burr cul-de-sac extreme flame, I tell you, extreme flame, don't forget it. Voilà, cher ami. Donc maintenant, nous avons fini de faire le trou, qui est donc là, le petit trou dedans. Et maintenant, on peut donc introduire la chose que vous voyez, donc ce qui va devenir, donc, après, donc, qui va aller ici dedans. Hein. Donc ça, c'est simplement maintenant une chose à ajuster ici.
Vous voyez, après, donc, on a la pipe. Hein. On peut la mettre comme on veut. Donc, le moyen qu'elle tient dans le trou, c'est, de toute façon, c'est bon. Une fois que vous l'avez, vous voyez, allez, elle tire. Donc, c'est bon. Donc, voilà, on est déjà au côté rude de la chose. Donc, vous voyez, la pipe, elle est là. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais tirer un peu et puis je vais sortir le... Donc, parce que maintenant, on a donc le foyer que je vais travailler. Donc, je vais le faire avec une tête d'un esprit, je crois, un esprit des bois. Donc, je vais faire un truc assez magique, hein, comme un magicien, une pipe de magicien. Voilà, une pipe de magicien. Donc, nous allons faire effectuer. Donc, je la remets. Donc, excusez-moi que j'ai tourné. J'ai pas mon assistante pour l'instant. Donc, tout ça, c'est en vacances. Donc, ce que je fais, donc, je mets ça de nouveau dans mon étau. Donc, en contrôlant bien que donc, le foyer soit bien, donc on met bien le doigt, hein, qu'on soit droit. Hein, pas... Oh merde, oh là là, pardon, excusez-moi. Pas qu'on ait le truc qui, donc, hein, comme vous avez vu, la caméra glisse. Donc, pas qu'on ait, en une fois, un nez qui ne soit pas au milieu centré. Donc, c'est très important. Prenez-vous un petit moment. Une minute de plus, une minute de moins peut finir tout votre travail sur une journée, peut vous le faire ou bien ou foutu. Hein? Donc, ça change beaucoup la mise. Donc, dites-vous ça. Que, voilà. Et voilà, moi j'ajuste. Bon, j'ajuste maintenant. Et après, je vais vous montrer comment j'attaque, donc comment je finis la chose. Hein? À tout de suite. Chers amis, n'oubliez jamais que c'est très important de temps en temps de nettoyer avec. Prenez une petite, vous les recevez toujours avec les Dremel, les petites brosses, vous savez, avec du fil de métal, ou même du fil de cuivre. Ce que vous avez brossé vos cuts sales avec, c'est très important parce que ça enlève la résine qui colle dans le bois. Hein. Je ne le dis pas assez souvent aux gens, mais je le dis, et c'est très important parce que on grave et on n'a pas idée. Mais quand ça coupe, ça coupe. Donc c'est ça qui est important. Hein? Yes, ladies and gentlemen, here we are in the Piedra Alta. Of course, I'm not alone. I just finished my pipe, not completely finished because I was, you know, I had a problem with the hole, but the hole is good now. And I'll create a thing. And now I'm together, of course, with the famous, you know them all, from all the adventures we had last year. They're here with me. We got Nicole. Yes, the great Nicole, my sister. We got Nikki, you know, for the... And of course, the one and only one that all my fans are asking, where is he? He's just there, ladies and gentlemen. The one and only, Tom Fire, here. So, you see, we are there for you and... We are expecting to make back a video for you, of course, with, of course, everybody back again, because I know that there are a lot of fans waiting for Tom Fire, and that we all together gonna make something back again, a nice big video. So I wish you a very good night, sweet, and bonne soirée. Ich wünsche euch einen schönen Tag und eine schöne Nacht. Und wir sehen uns in das nächste Abenteuer. Ja, besonders die Nacht. So, das war der Entschluss von Tom Fire. Your captain is greeting you.